Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Empire Total War. On se retrouve pour épisode 8 avec la France. On va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Enfin, un peu plus loin que là où on s'est arrêté la dernière fois. À savoir qu'effectivement, on avait fait... Bon, il y a beaucoup de rigolos de route, mais on avait fait dans notre matinale quand même d'excellents sièges. On avait réussi. Bon, celle-ci à base était perdue, mais avec une rigolo, finalement, on a réussi à prendre tous les territoires qu'on voulait, donc parfait. TTT s'est fait au préfice d'une technologie, mais c'est pas grave. Technologie d'ailleurs qu'on va, là, d'ici deux tours, on va bien améliorer parce qu'on va récupérer ceci. On va récupérer ceci pour les mortiers. Donc on aura les mortiers et les obusiers au plus fort puissance d'un point de vue potentiel contre les adversaires. À savoir qu'effectivement, là, je vais préparer des armées en plus. Il me faut effectivement une armée ici, une armée là, donc j'en ai déjà deux. Ici j'en ai deux, donc une là et une que je vais effectivement probablement mettre dans un navy pour passer, ou une autre armée que j'ai préparée pour qu'elle puisse outrepasser une fois que j'aurai fait le siège là pour prendre effectivement ici, et une armée là-haut pour aller directement en Hindoustan. Ça c'est les plans, c'est la stratégie, et ça c'est le conflit indien. Sauf que le conflit indien ne s'arrête plus en Inde maintenant. Nous avons un gros problème qu'il faut qu'on se prépare à devoir gérer de manière urgente, c'est effectivement les deux alliés qui me détestent. Bien connu économiquement, je suis très bien. On va bientôt tomber dans une guerre totale contre eux, donc je suis en train de préparer un plan pour frapper la Pologne-Lituanie aussi puissant que ce qu'on avait fait le dernier coup avec l'Inde. Donc je suis en train de préparer non seulement une deuxième armée ici. Enfin une deuxième ou une... Ouais c'est ça, une deuxième armée je suis en train de préparer. Avec plein d'obusiers comme vous voyez. Pareil, j'en prépare une ici. Ici pour prendre la Crimée. Donc je vais préparer un bateau, une armée qui descendra en Crimée. L'armée là ira ici, celle-ci ira là. Une ira ici, une armée ira là. Je prépare deux armées dans les flottilles. Une pour pouvoir débarquer ici. Voire même deux. Pour débarquer ici, prendre ça idéalement, donc une qui débarquerait pour prendre Saint-Pétersbourg et peut-être celle-ci, une qui débarquera si possible pour prendre là, comme ça je récupérerai de là, et une dernière armée pour essayer de récupérer ces deux territoires-là, donc je pense qu'un débarquement là ou là me permettra de récupérer celle-ci et celle-ci avec la même armée, et idéalement une dernière armée pour prendre celle-là, ce qui ferait un énorme coup, j'arriverai à prendre 1, 2, 3, 4, 5... 6 de sûr, ça c'est les 6 objectifs. 7, 8 si j'arrive à récupérer les deux là. 9 si j'arrive à prendre Königsberg, qui serait un énorme coup. Si j'arrive à récupérer ça. Et 10 si j'arrive en plus à récupérer un carré. Ça serait un bonus. Et là effectivement, il resterait plus que 3, 4 territoires. On serait bon. Problème déclaré à la guerre à Ponitani, c'est se tromper en guerre contre la Russie. Donc il faut que j'anticipe aussi la Russie. Donc possiblement en fonction de comment ça se passe, peut-être un débarquement pour prendre la Finlande. Finlande qui a un énorme problème avec la Russie. Qu'on veut attaquer. Celle-ci, après, ça ne sera pas un problème là. Préparer deux armées, une qui prendra ici, une armée qui prendra là, pour effectivement en prendre. Peut-être même une troisième, en fonction de comment ça se passe, pour prendre le littoral là pour défendre. Donc, ce qui ferait trois armées pour trois lignes de front. Puis après, effectivement, ça sera plutôt une guerre d'endurance où effectivement on avancera tranquillement, que je pourrais pas débarquer et prendre. Le rêve, c'est déclarer la guerre à la Pologne-Lituanie, ne pas être en guerre contre la Russie et pouvoir comme ça, une fois que j'ai fait paix avec la Pologne-Lituanie, envoyer une armée en Ukraine, enfin récupérer Kiev, une armée ici qui récupérait Donvoïsko, Chersak, une armée là, et dans le meilleur du monde, d'avoir réussi à récupérer ça, et donc mettre une armée à frontière ici pour prendre Arkhangel. Donc ce qui ferait que la Russie se prendrait très vite, effectivement, une énorme attaque qui les détruirait dans la deuxième guerre suivante. Une armée positionnée ici pour aller sur Moscou. Deux, trois armées, soit ici, soit là, effectivement, après le positionnement, on les verra plus tard. Pour effectivement récupérer, pareil, une dernière frappe pour récupérer tous ces territoires-là et finir un peu en Lituanie. Donc je prépare tout ça et je prépare quelques hommes ici pour débarquer en Islande. Comme ça, on sera tout bon. Voilà, je pense avoir résumé toute la réflexion que j'ai eue entre cet épisode-là et le dernier épisode et celui-ci, et tout ce qu'on va planifier ensemble aujourd'hui pour effectivement gagner cette guerre. Bâtiment, pareil, j'ai investi un peu partout où je pouvais. On va dépenser des milliers là-dedans. Ça se passe pas trop mal.
Donc oui, les guerres approchent, des guerres totales, où il n'y aura pas de demi-mesure, où il n'y aura pas effectivement de d'alliés ou autre, ça sera juste, je prépare, je frappe vite, je frappe fort et je démonte. Ça sera Il effectivement existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le l'intégralité type de du port que projet, vous ça sera ça. souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Alors. Un port de commerce fournira des revenus grâce Parfait. au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Me permet d'éviter de devoir garder une armée ici, ça marrant. Alors, tac, 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 on va ici continuer à développer nos émissaires pour améliorer l'ordre public. Arméga va venir rejoindre Marchez! celle-ci. D'autres ordres? Mais bon, celle-ci est au complète, celle-ci est comment? Autre chose? En avant! Elle peut bouger, donc elle va bouger En vers la avant! frontière. Marchez! Ce port on améliore, celui-ci En aussi. position! Ici, il y a des trucs améliorés, on s'en fiche. Ici, c'est des grands ports. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. J'ai pas vu que j'ai perdu un régiment de ligne ici. Ouais, celle-ci, je l'ai bourré de mortier. Orient qui recherche ça, c'est... Non. Alors, attendez. C'est ça. Autant... Moins de 5% de risque de faire long feu, réduit le risque de plus... De la pluie sur le risque de grand feu, c'est-à-dire que j'ai moins de chances de rater que mon tir ne part pas quand il pleut, Milord? ce qui est non négligeable par rapport à ça. Donc En là, je vois que la avant! banqueroute continue. Prêt à 261. recevoir vos ordres! La banqueroute s'aggrave dans leur pays, donc moi ça m'arrange. Marchez! En avant! Marchez! Et Préparez-vous! l'armée ici. Marchez! Ah mais c'est toute une énorme planification. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est planification grande. Hop, ça on va améliorer. Quelques petits bâtiments que j'ai rasés pour améliorer après un peu mieux l'économie. Ça, je pourrais l'améliorer au pire. Comme par hasard, ici, l'ordre public se désagrège, mais ça, je m'en doutais un peu. Tunisie. On améliore la Tunisie. On est bon ici. Quatre mortiers obusiers, on sera bon. Ça, on est bon. Ici, il faut que je vérifie ce territoire-là que j'avais capturé. Voilà. En Anatolie, j'ai sorti ça pour pouvoir construire. Une petite école pour convertir, parce que l'ordre public est un problème dans ce territoire-là. Il faut qu'on s'en occupe. Ici, j'en suis où? C'est un recrutement d'une nouvelle armée. Mettez les voiles Pour gagner du temps, pour j'avais votre fait honneur. ça. En avant! Marchez! Pour la couronne et le pays! Maintenant, il me faut un général. Comme ça on sera bon. Une deuxième d'armée. Bon, ici, on prépare l'artillerie pour une troisième armée. Nickel. L'armée là. Hop. Parfait. À savoir qu'aussi entre-temps j'ai fait beaucoup de tests. J'ai beaucoup testé les navires. Donc c'est-à-dire que j'ai fait des tests de navires au niveau des flottes entre les navires de premier rang et les navires de premier rang gros. En route vers Europe.
vous montrerai plus tard. En fait, j'ai fait beaucoup de tests. Déjà, première chose que j'ai découvert, les navires, c'est pour ça que les navires français soient meilleurs que les navires britanniques. Alors, ça peut surprendre, sauf que j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, les navires français, les navires britanniques rechargent plus rapidement que les navires français. Par contre, ils ont moins de précision, 10 points de moins. Et en fait, dans les navires, quand vous avez des gros navires ensemble de premier rang l'un contre l'autre, en fait, on se rend vite compte que la précision a plus d'impact parce que vous détruisez plus vite avec les navires français et canons ennemis. Donc, au final, même s'ils sont un peu moins résistants et un peu, ils sont en plus plus rapides, les navires français, d'un point, bon, au final, vous dégommez les navires britanniques parce que vos navires sont meilleurs. Je rebâtis moi. Donc, en fin de compte, les Français sont bien meilleurs sur l'eau que les Anglais, excepté le HMS Victory qui est le meilleur navire du jeu. Les Français n'arrivent pas à le battre. Il est plus résistant, il est aussi résistant qu'un navire de premier rang lourd avec autant de canons. Mais même si les stats ne le reflètent pas d'un point de vue jeu, il tire beaucoup plus vite que ce que disent les stats. Donc en fin de compte, les tests m'ont permis de conclure que les navires français sont meilleurs que ce que je pensais. Ils sont un peu plus rapides, un peu plus maniables. Ce qui est génial. C'est extraordinaire et c'est justement le meilleur point qu'on pouvait rêver par rapport à ça. Avec l'inconvénient par contre, qu'il y a aussi des inconvénients, c'est que malheureusement... les navires britanniques ne sont peut-être pas si bons que ça. Donc la marine française est peut-être très bonne. Les Britanniques sont largement en dessous de ce qu'ils devraient être, je pense, d'un point de vue puissance. Et le problème, c'est que ça se ressent beaucoup. J'ai fait tous les tests croisés. À chaque fois, moi qui prenais le navire, je retestais en vous posant contre l'IA, etc. Toutes les situations aboutissent à la même conclusion. Les navires de premier rang classiques sont meilleurs que les navires de premier rang lourd. À moins que vous ayez un peu de chance ou effectivement... vous arrivez à faire quelques bonnes salves qui vous donnent l'avantage. À chaque fois quand la bataille se prolonge, à chaque fois les navires de premier rang rattrapent en nombre de canons les premiers rangs lourds, les détruisent plus vite et au final, à la fin, c'est eux qui gagnent. Dans tous les tests que j'ai fait. Donc, conclusion, préférez les premiers rangs aux premiers rangs lourds. Voilà. Je vous avais dit que j'allais me renseigner là-dessus. J'ai fait les expériences. Et maintenant, j'ai les conclusions. Donc je vous les partage en direct, donc pour ceux qui ont regardé le début du stream. Petite info, uniquement pour vous. Voilà, voilà. Allez, zou. Ça, c'est bon. Oh, c'est tellement bien. Conversion, ça va tellement faire du bien. Ça bouge ici, vu que je vais faire effectivement l'université, le truc de conversion, on s'en fiche un petit peu, ça va se réduire d'elle-même le problème d'ordre public. Et ouais, je vous cache pas que depuis que j'ai découvert ça, au niveau des statistiques, découvert que les navires français étaient mieux que les anglais. Je suis contente parce que d'un côté, génial, c'est nos navires ou autre, la France meilleure, ultra content. Par contre, ouais, j'avoue que ça me pose un souci, parce que pour moi, la meilleure navy devrait être les Britanniques. D'un point de vue stat, ils ont une meilleure vitesse de reload. Par contre, leur précision en moins, enfin, je pensais pas que... je pensais, d'un point de vue stat, quand j'ai fait mes tests, je me suis dit, ouais, les navires britanniques vont m'exploser. Stat. Je vous cache pas, quand je les ai explosés, quand j'ai fait les tests et que j'ai remarqué à chaque fois que les navires français gagnaient contre le Britannique... contre l'équivalent. D'agitation dans cette région car la majorité de la population suit les préceptes d'une religion différente de celle compliqué. De ses dirigeants. Envoyer des missionnaires pour convertir les masses à la vraie religion. Donc c'est, voilà. Au final, la puissance quand tout c'est à peu près équivalent à la fin. Donc au final, les 10 de précision en plus et les 5 de recharge vont un impact beaucoup plus et les navires français sont les seuls à avoir... alors, je n'ai pas tous regardé toutes les grandes nations, mais c'est un des rares arrivés à 13, ces navires-là. Donc, voilà, ces navires-là, c'est navires de prestige, ces navires-là, c'est les meilleurs. Voilà, voilà. Hop. En perso, oh, c'est bien ça.
Ça, c'est des bonnes nouvelles. En vitesse pour Zélis, ça, ça va être bien, ça va. Ça va accélérer les tests de conversion, on va pas dire non. Hop, on s'en fiche. Faut vivre. Travailleurs en grève en France, ça on avait remarqué. Et on est en train de se rendre compte que je suis en train de construire une nouvelle armée. Oui. Six, sept, ok. Et 10 points pour rechercher ça. Très bien. J'ai vu un petit bâtiment qui me faisait de l'œil ici. Voilà, ça coûte pas. De toute façon, vu le pognon que j'ai maintenant. On n'est plus à ça près. Hein. Mon plan il va tellement marcher. Mon plan il va tellement marcher bien. Ah, catastrophe qui va se passer. Oh la vache. Ça va tellement bien se passer mon plan. Ils sont faits. La vertu et la valeur invaincus. On va faire ça pour les fois d'après. Garder les troupes là en attendant. Voilà, c'est bon. L'Islande sécurisée, ça c'est bon. Monsieur. Allez, on prépare tout. Hop, 6. Ouais, je suis dans l'excès. Je suis totalement dans l'excès actuellement. J'ai plus de... En fait, les canons, je les avais construits là pour les envoyer là, en fait. Marchez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, voilà. On sera bon. Ici, c'est pas encore fini. En avant ! Vos ordres, votre majesté. En France, j'évite juste de développer parce que l'ordre public est déjà catastrophique. Pareil, Bavière, etc. C'est des territoires que je peux pas trop me permettre de développer pour vraiment ces territoires que j'ai laissés. On va augmenter ça, ça augmente le prestige, on s'en fiche, on a le pognon. Nous arrivons peut-être. Prêt. À vos Au but c'est de construire le plus vite possible mes flottes. Voilà. Et ça va bien se passer cette partie, ces guerres, ces conflits. Là, je suis en train de me dire, j'ai renvoyé une flotte à même endroit que j'avais déjà une autre flotte. Là, je suis à combien? Là, je suis à... Donc, 8 navires. Ouais, ça va.
Après, ici, il m'en faut. Il m'en faudra 4 encore. Niveau du Mozambique. Et puis voilà. Et hop, tour suivant. L'armée est prête. Monsieur ? On va taper en un tour, merde. Votre demande est inconsidérée. Prêt à recevoir vos ordres ? Marchez ! En avant ! Marchez ! Pas prévu ça. On va tout améliorer. Et voilà, vu qu'on a le pognon. Hop, j'ai déjà fait un trou de 10 000 dans le budget avec les armées en plus. Hein. Ouais, allez, l'armée terrestre, allez, hop. 108 000. Par contre, la banqueroute est en train. Est-ce qu'elle va s'aggraver ou. Non, il a réussi à quand même à banqueroute. Ok. On va essayer à calmer. Donc, comment je peux faire pour réaggraver la situation chez lui ? Ce qui pourrait être bien, c'est qu'il aille sur à gauche pour espionner un petit peu. J'avance sous couvert. Aucun intérêt qu'on échange des trucs. L'Empire Marat, c'est le seul qui a des trucs de Navy. Et en plus, il y a rayures dans la machine, lui. Malgré ça, il s'est fait défoncer. Allez, on va préparer. C'est ça, c'est une énorme planification. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est une énorme planification pour une guerre. Peut-être pas la dernière des guerres, mais en tout cas, une qui va mettre un bon coup d'arrêt, en tout cas, aux toutes les puissances qui restent. Tes armées à cap sur ta ville, très bien. Comme ça, au moins, quand j'attaquerai, tu seras assiégé. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Immédiatement. Ça m'aide à améliorer l'ordre public. Bon, par contre, ouais, il faut trop. À mon avis, il me faudra. Ouais, je pourrais pas faire une guerre éclair. C'est ce que je pensais. J'avais des suspicions de pas pouvoir aller assez loin avec les avec l'armée d'Hindoustan. Qui se confirme. C'est-à-dire que c'est une guerre en deux rounds. Qui m'arrange pas trop. Ouverture du premier restaurant à Paris. Okay. Première boulangerie. Ok, ok. Je crois qu'on sait tout ce qui va se passer. Débarquer là. Ouais, ils peuvent.
Si je débarque là, ils peuvent aller là-bas. Ok. Monsieur, vos ordres ? Ça va être presque bon. Encore 6 hommes à construire dedans, on sera bon. Ça sera, puis après, ça sera un conflit généralisé. J'ai dû les construire en avis pour débarquer en haut. J'ai totalement oublié que j'avais construit une armée là-bas. C'est pas grave. Elle a quand même pris une claque d'angle quand même. Côte d'Ivoire, Théâtre du Sud, il m'en faut encore combien? Pour un moment plus rentable la côte. Après si je vais là-bas, c'est les plus lointains. Autant aller aux plus lointains peut-être quand même. Pour faire chier. Et comme ça, tous les ports où ils pourraient débarquer et me prendre une ville en un tour, ils pourront... Comme ça, ils pourront pas débarquer. Comme les morts, il faut deux tours pour aller à cette ville, donc... Comme ça, on sera bon. Alors, on va quand même faire ici deux unités. Tac tac, comme ça j'ai mis au pire. Ça coûte pas grand chose, ça coûte juste un petit peu de ressources ici. Je vais en mettre deux. Un là, un là. Il pourra pas débarquer, ça sera nickel. Bon, j'ai quasiment. J'ai tout qui est en construction partout, tout qui est construit, ça c'est bien par contre. Laisser cette armée là, c'est chiant, putain. Pareil, ouais, ici c'est impossible. Hein. Faut que je débarque dans ce port là, absolument. Par contre, ouais, si je fais deux armées là, une peut aller ici, une peut aller là. Donc, déjà, je peux prendre les deux villes là, en débarquant dans ce port là. Il y a qu'ici, ici, je débarque dans ce port là. Tac, tac. Ici, mon armée avance là. Là, je débarque une armée là qui outrepasse la ville pour aller là. Comme ça, tac, tac, tac. J'en mets une deuxième ici, elle peut avancer. Ouais. Celle-ci, elle s'occupera de terrasser cette armée là. Ici, elle s'occupera de terrasser ces armées là. Celle-ci, elle ira là. Et le plan, il paraît bien le plan, hein. Ça paraît solide, hein. Marchez. En réflexion, plan. Hein. Ordre du navire, nous arrivons, capitaine. On fait ça. Ah, comme ça, l'ordre public va s'améliorer. D'elle-même. Alors je déteste faire ces bâtiments religieux, mais finalement, vu que c'est une religion, même avec la division que j'ai, qui réduit normalement deux unités de garnison qui comptent en répression, donc à un moment il faut... Celle-ci, là, est pas attaquée là. Ok, on a les infos. Se fortifie, ça s'enrichit, la Perse. Voilà. Ah. La dette augmente.
Donc à un moment, ils vont devoir liquider des troupes. Hein. À un moment, ils seront obligés de licencier des soldats. Hein. Ils pourront pas garder cette situation économique. Hein. Ah, ça se convertit tranquillement. On va éviter des problèmes de rébellion par la suite. Nickel. On pouvait pas rêver mieux. Votre Majesté. Oui, monsieur. Vos ordres, Votre Majesté. Officier sur le pont. Milord. En avant. Cette armée va pour descendre là. Et le pays. Arrimé, capitaine. À vos ordres. Débarquer là et on a vu. En train de débarquer là-haut, tant pis si je me fais contre-attaquer. Votre humble serviteur. Votre Majesté, monsieur. Pardon, monsieur. À vos ordres. Pas possible, monsieur. Oui, Milord. En avant. Prêt. Pour la couronne et le pays. Nickel, pas d'armée là-bas. La seule armée polonaise qui peut m'embêter, c'est celle dans les montagnes de Transylvanie. Ils ont mis des troupes dans le port. Ou chassonne ma navy dans des ports à moi. J'ai oublié de mon armée en Tunisie de la développer. Cette rébellion... Du côté du gouvernement, comme d'hab. Ça m'a demandé, je changerai pas de camp. Autre chose ? Génial ça, merdouillé, réacteur résolution. J'ai quand même dû faire mal à ces unités-là. Pour ça que je me dis que normalement ça devrait être bon, ça devrait tenir. Voilà cette armée-là. Nickel, toi t'es fini, t'as recruté, t'es bon. Ici t'as des trucs à reconstruire, oui, on a des trucs à construire. Ok, on améliore. Ce qui va se passer, c'est que je vais en fait cette navy là, cette flotte là, je peux la dégommer. C'est pas un problème. Je peux largement la mettre dans le port. Elle pourra taper là sans problème. J'espère juste que je vais pas perdre la guerre civile.
Pile bon, nickel, ouais. En avant pour la couronne et le pays. Prêt. Ordre du navire. Préparez-vous. Marchez. Ordre du navire. Plus de navire que prévu même. Si on pouvait y aller directement sur ce port. Ok, ça donne déjà des informations intéressantes. Donc cette marine là est bonne. Maintenant, on va continuer. Hein. On va attendre que ça soit fini. Ça, j'ai deux flottes qui partent complet au prochain tour. Nickel. Ici, cette armée là. Vous voyez un truc à construire. Oui, une armée. La Tunisie. On a totalement oublié de l'armée de ce théâtre là. Et totalement oublié, je viens d'y repenser. Comme ça, celle-ci a fini d'armer. Celle-ci m'en fondra. Hop. On prépare tout. On prépare vraiment tout. J'ai déclaré la guerre. Ça va taper. Ça va taper dur. Mais faut que ça tape en une fois pour que ça passe. Monsieur, en avant. Ça me prend. C'est bon, j'ai trouvé le compromis. J'ai trouvé comment gagner mes quelques mètres de terrain qui me manquaient. Voilà, je peux débarquer là et prendre ça. Ici, ça se passe comment ? Ça me fait les murailles de Paris, donc ça serait peut-être bien de les faire. Je pense qu'il faut que je fasse une autre armée en plus encore. Une dernière. Je pense qu'il faut que je fasse une dernière armée. Bon, ça va, 120 000 de budget d'armée. Je récupère cette armée là. Et bienvenue à toi. Merci d'avoir rejoint la famille. On va voir. Je vais peut-être reconstruire une armée là ou je vais reconstruire une rapidement ici pour prendre la Königsberg. Je suis en train de réfléchir. De toute façon, cette armée là, cette flotte là peut dégommer ce pauvre navire de 5e rang.
Celui-ci, ça sera compliqué à court de navire de bombes, mais je pense qu'elle est faisable. On va voir. Je réfléchis, on verra bien, on va avancer un petit peu. De toute façon, qu'on prépare toutes nos armées un peu partout pour réussir à faire notre coup, donc on va y arriver. C'est la Russie. La Russie étant alliée à mon allié commercial, pas militaire. C'est le gros facteur de trouble qui pourrait arriver, que je ne maîtrise pas. De toute façon, on avisera, mais on va. Là, on fait quelques tours de préparation militaire et. Il y a un certain degré d'agitation dans cette région car la majorité de la population suit des préceptes. Et bonjour, c'est rare de voir que stream sur Empire, mais ça fait plaisir. Bah, merci à toi pour ton commentaire, mais oui, c'est un jeu. C'est un classique. Hein. C'est un des classiques des Total War. Je pense que Empire Total War est un peu au renouveau de la série. Je trouve qu'il y a une profondeur économique qui est ultra agréable dans ce jeu. Le fait qu'il y ait le côté croissance de ville, qui est effectivement vraiment ce côté-là, et surtout colonial, c'est ce qui est, je pense, le mieux dans ce Total War. C'est ce côté où, effectivement, on a le théâtre européen, on a le théâtre américain, et on a le théâtre russe. Russe-indien, pardon. Donc c'est vrai que Empire Total War, je pense, d'un point de vue Total War, je pense que c'est un peu ce après Shogun ou autre, où on a vraiment parti de ce côté où on est vraiment dans un seul théâtre. On est vraiment dans le théâtre, c'est le monde. On a vraiment le confié un peu dans sa globalité. Et je trouve ça qu'il est génial, pour ça. Malheureusement, il tente pas de ressortir un nouveau temps moderne. C'est le souci, je suis d'accord avec toi. Le gros... Alors... moderne, je trouve... J'ai testé les modes... de la guerre américaine. J'ai testé les modes de Première Guerre mondiale. Je trouve que le jeu, le Total War, actuellement, n'est pas bien adapté à ces conflits-là. Ça marche bien quand t'as beaucoup d'hommes et que l'artillerie n'est pas trop puissante. Le problème des conflits modernes, c'est que l'artillerie est beaucoup trop forte. Qu'à mon avis... Et où mon armée? Déjà que celle-ci avec... Allez, 4, 8, 9, 12, 20... 28 boulets de mortier qui vont être à percussion. Je trouve déjà que c'est un peu trop fumé. Enfin, après... J'avoue, ils ont annoncé Pharaon en Total War. Honnêtement, je crois qu'on est tous... Enfin, Total War 3, il était bien, mais je pense qu'on attendait plus un Empire Total War 2 ou un Medieval 2, enfin, même Medieval 3, parce qu'il y a déjà eu deux Medieval, qu'un Pharaon, par rapport à ça. Mais ouais, c'est un peu le souci. Je suis d'accord avec toi. C'est dommage qu'ils n'en aient pas refait d'autres derrière. Quelques petits bugs. Mais c'est pas grave, des cours de l'hydrogène, on s'en fiche. Ouais, j'avoue que j'ai... Alors, je déteste pas les Warhammer qui sont sortis récemment, je déteste pas ceux-là, mais... Il manque de saveur, il manque un petit truc derrière... qui fait que le jeu, il est pas aussi bien que celui-là, quoi. Après, celui qui, je pense, est pour moi le plus abouti économiquement parlant, c'est Napoléon. Et justement, le successeur à celui-là, l'inconvénient de Napoléon, parce qu'il y en a quand même un, c'est que c'est uniquement sur le théâtre européen. Et j'avoue qu'il nous faut, moi de même, sortir un Napoléon, mais avec le théâtre américain, avec le théâtre indien, et l'Afrique du Nord, je signe tous les jours. Je trouve Napoléon, visuellement parlant, il y a ce petit truc en plus qui manque à celui-là. Il y a ce côté où chaque unité de chaque armée est un peu unique, un peu magique à sa façon, où on a vraiment l'impression, tu joues autant, t'as vraiment l'impression d'être autant, tu joues autrichien, t'as vraiment tes unités physiquement autrichiennes. Alors qu'en Empire Total War, le gros problème que je reproche aujourd'hui, c'est ça, c'est que toutes les unités, c'est tout le même physique, c'est juste les couleurs qui changent, quoi. C'est... Après, autant dire, c'est un tout petit coup de gueule, hein. On va dire que le jeu il est très bien comme il est. En avant pour la couronne et le pays.
Alors non, je parle moderne, là, sur Empire, on est sur la deuxième modernité, mais l'époque contemporaine, c'est sûr que c'est pas fou avec l'absence... Ok, on est d'accord. Par contre, j'aimerais bien au moins un retour à médiéval ou un retour au 14e, 15e, 16e siècle. Ouais, on est totalement d'accord. En fait, le problème de ce qu'on a, c'est qu'il nous habitue tellement... Alors, là où on va avoir effectivement une différence de point de vue, c'est qu'on n'a pas le même avis sur Pharaon. Moi, j'avoue que ça m'a pas hypé du tout l'annonce, mais... Peut-être parce que j'attendais plutôt un autre jeu, notamment un retour à cette époque contemporaine quoi, qu'on avait, qui me manque. Parce que je trouve que le Total War contemporain, dans ces époques-là de l'ère victorienne, dans cette époque-là de la révolution industrielle ou autre, il y a une saveur, il y a une fraîcheur de gameplay, il y a une différence de gameplay aussi, parce qu'il y a ça aussi, qui est varié, qui est agréable ou autre. T'as vraiment beaucoup de cultures qui s'affrontent et j'avoue que ça serait le mieux. Pour moi, ça serait le meilleur théâtre de guerre qu'il pourrait faire. Après, soyons réalistes. S'il nous en sort un, je pense pas qu'il sort demain. À mon grand homme. Ouais, je crois que ça devrait être bon New War, mais... Ouais, c'est... Il faut... Enfin, on y retournera. Hein. Un moment ou l'autre, on va y retourner, c'est sûr, mais... Quand ? La question c'est toujours pareil, c'est quand est-ce qu'ils vont le faire. Déjà qu'ils nous ont dit qu'ils avaient écouté la communauté quand ils ont annoncé Pharaon. Et quand j'ai vu, honnêtement, j'ai vu les vidéos de gameplay, alors je sais pas si tu les as vues, mais... C'est une saveur de juste de réchauffer de Total War Troy, un peu modifié, on a mis juste sa sauce égyptienne quoi. J'ai pas vu encore le gameplay de campagne, mais des complètes, des trucs de bataille, j'ai du mal. J'ai du mal cette idée où il faut tenir plusieurs lieux dans une ville, j'ai vraiment du mal avec cette idée de gameplay qui je trouve pas adapté. J'aime bien ce côté où quand tu prends une ville, tu vas vous mettre au cœur de la ville, quoi. Moi, je suis pas mécontent car j'étudie l'Antiquité, or ça me va. L'Antiquité est ultra intéressante. Moi là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un bon théâtre d'apprentissage, l'Antiquité. Mais je pense quand ils sortent sur l'époque de Zeus. Alors attends. Ouais, c'est ça. Quand ils sortent dans l'époque victorienne, où, à mon avis, oui, on aura le nouveau moteur graphique qui sortira à ce moment-là. C'est quasiment sûr. Bien que. Quand on voit ce qu'ils font avec Total War Warhammer 3 quand même, ou avec même ce qu'on a vu Total War Pharaon, enfin, c'est Pharao je crois qu'ils l'ont nommé, le vrai nom. Il est pas moche, enfin, visuellement parlant, il est pas moche. Mais soyons francs, même taper du désert H24, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Après, c'est peut-être parce que j'aime moins... Alors, autant c'est vrai que j'adore l'époque de la mythologie grecque, donc c'est peut-être pour ça que j'ai adoré aussi... comment il s'appelait ? Troy, pardon. J'ai adoré Troy, parce que j'adore l'Antiquité grecque, j'adore cette époque-là, donc c'est pour ça que j'aime autant. Autant l'époque égyptienne, je l'aime un peu moins. Il y a aussi ça, je pense, qui joue dans mon appréciation des époques. Après, le... A voir, de toute façon à voir. Moi ce qui me dérange juste actuellement dans le gameplay de bataille, donc c'est les sièges, parce que j'aime pas le siège à Total War Warhammer, à ce style là. Et deuxième problème, enfin, je sais pas si t'as eu cette impression là, mais t'as remarqué comme la tempête de sable arrive en 10 secondes, j'ai l'impression en fait il n'y a même pas de vent annonciateur ou autre, ça arrive tout de suite. C'est un grand coup, un gros voile sur un map. J'espère qu'ils vont utiliser ça d'ici la sortie du jeu, parce que sinon... C'est dommage. Visuellement parlant, je trouve que ça fait un peu trop au niveau du jeu. Ah, et ils sont vraiment en train de m'emmerder, ceux-là. Ici, alors. Oh, on va construire une petite armée. Une armée qui va tenir la ville. Non,
Bah non, vu que cette armée-là, je la recycle pas, je reprends, je recrée une nouvelle armée, ça sert à rien. Je suis bête. Oui, monsieur. Ici, elle est prête. Non, je prépare pas du tout une invasion à grande échelle de mes alliés. Pas du tout. Vous allez tous me taper sur les doigts. Ouais, c'est ça. On a, c'est des vides, on est d'accord là-dessus, effectivement, c'est compréhensible. Oui, après, ce nouveau système de météo. Je suis d'accord avec toi que le système de météo, c'est une bonne idée d'ajouter la météo dynamique. Après, voilà, c'est encore des images, encore de développement quand même avancé, vu le visuel qu'on a vu. Donc oui, ils ont le temps de corriger le coche et de modifier. Je pense que c'est pas quelque chose de trop dur à modifier. Et j'avoue que là, à l'inverse, alors, on change totalement de registre de jeu. Non mais c'est du foutage de gueule là. Le game donne deux des territoires les plus pauvres. Alors je suis en très difficile partout. Je suis en traité économique et j'ai plus d'alliance avec la Ponytoanie. Je suis en alliance avec la Russie. Et j'ai signé un traité de paix avec l'Empire Marat. L'épisode précédent, j'ai pris 9 villes de l'Empire Marat. C'était folklorique. Et, de toute façon, le but de la campagne, c'était... Je m'en doutais que ça allait finir comme ça. C'est un moment où t'envahis tout le monde, quoi. Pareil, des choses qui sont très bien des nouveaux Total War, c'est la diplomatie. On a vu le traité diplomatique qu'on m'a proposé, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt équilibré, c'est agréable, quoi. Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Ah. Merde, j'ai totalement oublié que j'avais repris l'Iscande depuis un moment. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Je sais plus, le théâtre du Brésil, c'est que du sucre. En France, de toute façon, on va bientôt se taper une nouvelle révolte, on va pas se mentir. On est en train de couvrir. Regardez cette deuxième. Ah non, c'est bon. En fait, le vrai problème, c'est ça. Expansion territoriale. J'ai dû briser des traités de paix. On fout. Au moment où j'en ai rien à faire de les briser. Hein. Après, c'est toujours pareil. Une fois que t'arrives à un certain stade, c'est même déjà bizarre que la Russie ne soit pas morte dans cette campagne. Parce que à un moment, la Suède a vraiment pris beaucoup de territoire avant de se faire repousser par la Russie et par le. À Ponytoanie. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Pétersbourg, que Moscou, tout ça, c'est russe. Enfin, c'est plus russe, c'est justement la Ponytoanie. Après, de toute façon, à un moment, faut venir à campagne. Hein. Je vais te construire 30 navires, mais c'est pas grave. J'ai le pognon, j'ai la trésorerie. J'ai rien à faire maintenant. Alors, je le connais pas ce mode, il est sur quel jeu ? C'est sur Empire Total War, Empire 2 ? Ou c'est sur lequel de Total War qu'ils ont fait le mode ? J'ai vu beaucoup de modes à l'époque de... D'Attila Total War, le problème d'Attila c'est qu'il est très mal optimisé, et de se faire que ça donne pas envie d'y jouer, sur les modes. Sur Empire, ils ont fait un mode 2. Tiens, je l'ai raté cette info. On va regarder un coup à l'occasion. Bon. Ah, j'ai pas le trait que je veux. Tant pis.
Le trait qui donne de la portée de déplacement sur les divisions d'infanterie. Je crois que lui, il l'a. Ouais, c'est ça. Général d'infanterie plus y portée de déplacement avec les unités d'infanterie, vu que l'armée m'a justement d'infanterie, ça aurait été mieux. Meilleure unité, meilleure dépendance, graphisme et tout. De toute façon, le jeu, il part déjà sur une bonne base. À partir du moment que tu l'améliores, il peut être que bien. Sincèrement, il peut être que magnifique. Après, j'avoue que je suis en train de me dire, je crois que le vrai problème de Pharaon, plus que l'époque, c'est le prix. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand j'ai vu les annonces des coffrets du jeu et leur prix, j'ai marqué le coup. Entre les éditions, je crois, bronze, argent, gold, c'est pas 2 euros quoi, la version qu'ils proposent. De toute façon, le prochain tour, ça va être la guerre. Hein. Non, 2 tours. En avant ! Préparez-vous ! Marchez ! Merde. C'est du... Enfin, moi, de mon côté, je trouve que c'est du foutage de gueule, le prix qu'ils ont annoncé. C'est... Surtout que c'est... Surtout que ça... Non, c'est sûr que c'est pas un, c'est pas un saga, mais... Ah, on n'est pas des vaches à lait, hein. Je pense que ça fait doucement sourire, cette expression, mais c'est ça. C'est à un moment... Enfin, le jeu... Moi, je lui dis honnêtement, Pharaon, je l'achèterai pas à la sortie, hein. Beaucoup trop cher, le Pharaon. J'attendrai qu'ils soient en promo. Vu qu'ils font assez souvent des promos sur les Total War, je me prendrai à moins 50%, et voilà. Mais... Et les Total War Saga, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Hein. Moi, j'avais testé Total War Saga, comment il s'appelle ? Soit avec l'Angleterre et les Vikings. Britannia ? Non ? Ou un nom comme ça. Hein. Il pique. Hein. Il pique, hein, au niveau du prix. Hein. De toute façon, on fait passer le tour encore. Mais hein. Bon, dans leur tête, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis un jeu historique. Jamais que mon part, je vais le prendre. Oui, après, c'est toujours pareil. C'est chacun son rapport de son côté. C'est. Moi, je le dis, je le prendrai le jeu. In fine, je le prendrai. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vu que c'est pas. Autant. Le jeu serait au prix habituel, je me laisserais tenter. Parce que je me dis, allez. C'est pas l'époque que je veux, mais j'ai envie de me laisser tenter. Voilà. Autant là. Vu que l'époque me fait pas rêver personnellement, ça me donne pas envie d'y aller tout de suite, quoi. C'est ça, c'est en fait, ça on fait après chacun un rapport par rapport effectivement au jeu en tant que tel qu'on va prendre, on fait chacun notre rapport. Et si on sent qu'on se fait léser, effectivement, on va pas vouloir le prendre à ce prix-là. Ma bah, pompe Total War Brit. Ah, mais non! C'est bien moi qui vais les attaquer le tour prochain. Ah. Il y a un certain degré d'agitation dans cette région car la majorité de la population suit les préceptes d'une religion différente de celle de ses dirigeants. Envoyez des missionnaires pour convertir les masses à la vraie religion. Oh, rayure dans la machine, ok. Dans 3 tours, j'ai vu. Ça, on s'en fout. Ah, Égypte, problème. Nous avons un problème en Égypte. Après, voilà, chacun à son époque ou autre de préférence, et chacun après prend celui qu'il apprécie en fonction de ce qu'il apprécie comme environnement. Moi, le dernier jeu que j'ai adoré en RTS, alors j'ai un peu streamé, mais ça n'a pas forcément beaucoup plu, c'est Compagnon Féroce Roi. Ma RTS. Alors c'est un peu différent le style parce qu'il n'y a pas ce côté tour par tour qu'on a par exemple sur celui-ci.
mais il est en air test, en charge des bons, celui-ci est génial. Mettre des mises à... Il rajoute des trucs régulièrement ou autre. Ensuite, cette armée là. Elle, celle-ci, je vais la rapatrier là. Celle-ci, je la monte là. Ouais, c'était pas du tout préparé là, l'attaque. Alors, regardez. France. Voilà. Donc. Là, on va s'occuper de ce théâtre là. Flotte là. C'est réglé. Ici, chose. Non, ils ont quand même pas osé. Après, c'est totalement différent. C'est sûr qu'on panne le Firos, faut apprécier ou pas. Toutes les époques. Alors, je suis d'accord avec toi sur un point. Toutes les époques ont leur intérêt. Toutes leurs époques sont géniales. Le seul que j'ai pas encore pris de jeu, Total War, parce qu'il y en a que j'ai pas encore touché, c'est Kingdom, Total War Kingdom. Je ne doute pas qu'il est bon. Oui, Kingdom, c'est Trois Royaumes, je crois. Non, The Three Kingdoms, je crois que c'est le nom du Total War. Je ne doute pas qu'il est bon, mais j'ai jamais trouvé un bon prix. Parce que le gros problème que je vais reprocher encore à Kingdom, même souci que je reproche à celui-ci, parce que ça a quand même un tout petit reproche à faire, le manque de variété d'unités. T'as pas cette impression quand tu. Dans Kingdom, t'as l'impression. Enfin, dans tous les gameplays que j'ai vu de Three Kingdom, t'as toujours l'impression d'avoir les mêmes unités contre les mêmes unités. Alors, c'est pour ça que j'aime autant Napoléon, Medieval Goat, alors que t'avais vraiment. Alors, dans les anciens. Shogun ou autre, t'avais quand même cette grosse répétition d'unités. Mais t'avais quand même. Je peux prendre Total War Troy. T'avais vraiment cette idée où effectivement t'avais vraiment plusieurs vraiment unités vraiment différentes entre les factions. Et quand tu te combattais en mêlée, c'était ça qui était agréable. Tu voyais pas les mêmes unités uniformes ou autres. Napoléon étant le chef-d'œuvre, je pense absolu dans les batailles, niveau uniforme différent. Après, voilà, c'est une appétence, une préférence personnelle de chacun. Et Gexo, pas ça, mais on a beaucoup de batailles à faire. Avec un peu de chance. Normalement, même avec beaucoup de... Même normalement, sans chance, normalement, je devrais pouvoir raser les armées ennemies sans qu'ils puissent trop me faire de mal. Alors, la question, où est-ce que j'attaque? Évidemment, depuis une cuvette. Pas une cuvette comme ça, une cuvette ou du genre là. Terre à colline, mais il n'y a pas. On va mettre l'artillerie là. Ce qui est particulier, oui, pas trop d'unités, mais c'est normal en somme, car on reste dans la même zone géographique. Comme le problème de Shogun 2, on est totalement d'accord. C'est quand on arrive sur une TD que tu peux faire des exceptions. Napoléon, oui, j'adore aussi. Pour ma part, le plus petit reste Attila. Alors, visuellement parlant, gameplayment parlant, oui. D'un point de vue stabilité, c'est une purge. Et c'est pour ça que c'est un jeu auquel je ne cite très peu de fois le jeu. Et que je ne streamerai pas. Parce que d'un point de vue optimisation, c'est inadmissible. C'est... Ils font des bons jeux. Il faut quand même rendre... 3, 6. Il y a un truc que j'ai... Il y a un groupe de bataille que j'ai mal formé. C'est bon. C'est ce que j'ai trouvé inadmissible sur Antigua Total War, et même le jeu aujourd'hui est une catastrophe d'optimisation. Il est ultra mal optimisé. Je ne comprends pas comment ils aient pu laisser passer ça. C'est... Ah, c'est beau tout ça, j'aime quand ça pète de partout. Ah
Oui, après, c'est toujours pareil. C'est, après, ça se joue beaucoup sur les unités d'élite. Les unités d'élite sont un peu uniques. Ça, on est totalement d'accord. Nous, tu prends une infanterie d'une de Napoléon. Chacun leur uniforme, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes stats. Et j'avoue que pour moi, Attila Total War, qui était un jeu qui était ultra prometteur, est devenu une catastrophe. Ah ça, je suis une convaincue de ça. Demain on nous sort un Napoléon 2 ou un Empire Total War 2. Bien que, moi aujourd'hui, ça serait pas un Empire Total War ou un Napoléon que je voudrais. Paradoxalement, j'adorerais. Ça serait un Medieval 2, un Medieval 3. Parce que... Ok, excusez-moi, j'ai cru que j'ai perdu un canon. C'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Ça serait un Medieval 3. J'ai beaucoup rejoué à Total War Rome Remaster, qui est pour moi l'un des... qui est le jeu que j'ai commencé à Saga Total War et que je trouve magique. J'ai beaucoup joué aux deux, aussi de celui-là. Mais j'avoue qu'un Medieval, j'adorerais rejouer un Medieval Total War. Bien optimisé, bien monté, bien ficelé, etc. J'adorerais. Mais j'avoue que demain on m'annonce un Napoléon ou un Empire, c'est sûr que je signe. Enfin, je réfléchis même pas. Beaucoup de monde, mais j'aimerais à l'époque du bas moyen âge entre la passation, entre la chevalerie et l'armée de métier et la poudre à canon. Donc tout. Alors tu voudrais plutôt le médiéval tardif. Parce que l'arrivée de la poudre à canon sur les champs occidentaux, c'était effectivement dans le médiéval tardif. Et moi ça me dérange pas qu'ils nous me fasse un Total War où effectivement c'est... ils peuvent être ambitieux. Honnêtement, ils ont la possibilité d'être ambitieux. Ils me font une énorme époque effectivement du début de l'époque médiévale. Donc de la formation des royaumes, des Red Vikings, etc. Quitte que ça soit dans du DLC hein. Moi je pense qu'ils peuvent faire un médiéval de l'an 800, l'an 1000, jusqu'à facilement l'an 1400 pour moi. C'est totalement réalisable. Certains vont me dire, j'ai qu'à jouer à Europa Universalis 4. On est d'accord qu'il y a un bug graphique là. Ah, le jeu me fait planer juste pour ça, juste pour les bugs. Désolé. Les bugs m'ont perturbé. Alors. Après, je pense aussi qu'il y a une chose qui fait que les gens ils vont beaucoup médiéval. Déjà, un, parce qu'on est européen. Il y a beaucoup ce côté-là. Et je pense qu'il y a une deuxième raison qui fait qu'on est beaucoup à demander le médiéval, c'est que je pense qu'il y a une grosse partie de la communauté qui ont commencé à Medieval 2. Moi j'ai commencé après Medieval 2, donc à Rome Total War 1. Et je pense que ça joue beaucoup. Autant pour moi je suis nouveau en Medieval, par contre il y a un truc qui était bien avec Three Kingdoms, les DLC où tu changes d'année ou de siècle. Un sur le bas, un sur le moyen et un sur le moyen âge. Oui, ça serait faisable. En soi, effectivement, trois époques différentes. Un sur les croisades. Ah, mais attendez. Mais c'est l'effort que j'aime bien attaquer, ça. Et les petits forts, mais ils sont très bien, ceux-là. Alors ici, j'ai perdu quoi? J'ai perdu deux canons si je me déplace. On s'en fout, on a ce qu'il faut. Ah, tu pourras en faire trois. Hein. T'en fais un sur les croisades parce que tout le monde veut les croisades.
Dans, ceux qui veulent médiéval veulent les croisades en fait, surtout. T'en prends un sur... en fait, Attila Total War, il fait le bas Moyen-Âge, quand on y réfléchit. Il fait le Moyen-Âge où effectivement la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. Surtout, je crois qu'ils avaient fait un DLC Charlemagne. Donc, je crois qu'on l'a. Si on y réfléchit un peu, on l'a. Bon, par contre, sur un jeu qui est ultra mal optimisé, mais ça, c'est un autre problème. Mais en y réfléchissant, effectivement, on l'a. L'opus en question qui le ferait. Par contre, ouais, le Moyen-Âge en plein dedans et le Moyen-Âge tardif, ça, y a de quoi, enfin, sincèrement, il y a quoi faire. Bien qu'effectivement, le tardif, c'est juste des bouches à feu. Hein, pour... Ah, il y a aussi, j'ai vu sur le mode croisade. Il est sympa. Mais. Alors après, on va me dire que je suis un rabat-joie, c'est toujours le même problème. L'optimisation du jeu, putain. Je me tire une balle quand j'y joue. Et ça me fait chier de dire ça parce que le jeu était tellement bon. Mais bon, ça arrive. Ça arrive hein, de rater des jeux ou autre. Hein. Alors, c'est là où je suis en train de réfléchir. Bagheer. Oh, ils vont même pas faire une sortie au chamelier. Allez. Maintenant, vous pouvez tirer jusqu'où? Vous pouvez tirer jusqu'ici. Nickel. Hop. Vous vous déployez. On réfléchit pas. Vous vous déployez aussi. On réfléchit pas. Je crois que c'est plus beau. Ouais, c'est... Hein, quand j'y repense, rien, un truc tout con dans Attila Total War, je sais pas si tu t'en souviens, si tu joues encore, c'était l'idée où quand t'incendiais la ville, qu'est-ce qu'ils ont foutu ces abrutis. La catastrophe était peinte. C'était le côté où quand t'assiégeais une ville, plus que tu brûlais la ville, plus que ça affligeait des malus au moral et à la combativité des unités qui étaient dedans. Ça, c'était génial, je trouvais. Et ils ont jamais repris par la suite. Pareil, ils ont... D'un côté, je trouve aussi, ils ont trop simplifié l'économie. Ce que j'adore sur Empire Total War, c'est ce côté où effectivement, t'as vraiment une impression... De développement économique, si effectivement tu baisses tes impôts, t'as une croissance des villes qui te rajoute des villes, donc plus de villes, plus de peuple, plus de possibilités de construire des bâtiments économiques. Alors que c'était. Ils ont tenté un truc pas trop mal avec Total War 3, j'ai bien aimé le système économique, ça a changé de ce qu'on avait. Le fait qu'il y ait plusieurs ressources, etc. Mais j'avais des limites. Je t'en prie, surtout n'hésite pas à repasser. Si je finis pas ce soir, je finirai demain. On verra bien comment ça avance. En tout cas, si tu veux, il y a les rediffusions sur ma chaîne YouTube. Tous les épisodes y sont. J'essaie de les mettre une ou deux fois par semaine quand j'ai le temps de les publier. Donc n'hésite pas si t'as envie de voir les autres. Et en tout cas, t'es toujours le bienvenu. N'hésite pas à revenir. Allez, bon après-midi à toi, Titou. En tout cas, on va attaquer. C'est quand même beau ces obus d'artillerie. De cette manière là. Vous à la rigueur, vous allez me tirer au centre maintenant. Pas mal, ce but.
En tout cas, je présente typiquement le problème de l'artillerie des obusiers late game. Ceci. Effectivement, c'est du n'importe quoi. Les gars que je fais, c'est ahurissant. Le pire, c'est que j'ai même pas besoin de forcer pour dégommer leur armée. Ça meurt tout seul. Ah, vous voyez, c'est... Là, je suis monté à l'extrême au niveau des obusiers. J'en fais généralement moins, mais... Ça marche tellement bien. Au niveau de la muraille principale... tirer sur cette infanterie de mine là. Ah, attendez, je crois que je peux tirer de la chose. Okay. Nickel, j'ai pris cette muraille. Voilà. Allez, ici. Ok, de l'artillerie là, exact. D'ailleurs, eux, ils vont avancer. Nous, on va tirer de la chaux vive. Voilà. Et la chaux vive, à la différence des obus qu'on avait avant, c'est que ça endommage aussi pendant un petit instant les unités. Ça marche dessus. Voilà. Donc c'est encore plus fort qu'avant. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas trop besoin de fatiguer mes troupes. Je sais que ça passera tout seul. Là, ils ont quand même pas. Allez, zou. Chargé avec leur général dehors. J'ai perdu mon infanterie de ligne là, mais. C'était pas leur général? Pourquoi non? Cas eux ils vont faire les tirs, ça va être bon. Ici on va pas être trop mal. L'artillerie là me tire pas dessus, on s'en fiche. Là on va avancer un petit peu. On va amener 3 divisions en réserve là. Pas trop mal là quand même, c'est pas... Ah, là ils se font tirailler depuis le mur, c'est... L'IA est catastrophique sur celle-là. Carré.
Oh, le carnage. Mais sur toute la ligne de front, c'est un carnage pour ennemis. Je vais continuer à explosif là-dedans parce que là ça marche pas trop mal. Ouais, ils sont quand même plus que 4, ça serait bien qu'ils meurent. Même s'ils sont bloqués sur un muraille. Là-dedans. Immortel, ça va être pareil. La reine des batailles, l'artillerie, c'est devenu. Technique, qu'est-ce que vous voulez que j'ai peur de l'ennemi? Et quoi? Faut vivre. Même pas réfléchir. Et ça, chaud vif, traversait les murailles au niveau des dégâts. Donc, là, c'est un qui pète un peu à gauche. C'est pas du tout des armes létales. C'est du n'importe quoi au siège. Est-ce qu'on a vraiment... Après, c'est ça la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'enclencher le corps à corps là-bas? Ce qu'on va quand même tenter de faire, c'est de liquider ceux-là parce que ça déconcentre ce truc-là. Les chameliers. Tout mort là-haut. Il est toujours pas mort, hein, dernier Amazon. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus. Fini sur la muraille.
sa mère. C'est bon. Vous tirez juste là, il y a quelques troupes derrière, vous en faites pas, ça marchera nickel. C'est bien de pouvoir tirer sur zone avec artillerie. Il faut pas oublier qu'il tire un peu plus loin que la normale. Il y aura 90 mais ils ont que 5 de munitions donc faut en profiter. Alors, eux ils sont au corps à corps mais ça temporise leurs troupes sur les murs. Gagné, bah, victoire facile, tranquille. Voilà l'artillerie. Ah, l'artillerie. Bataillon prêt. Tranquille. Pas de soucis, pas de difficultés, pas d'adversité dans cette histoire. Alors, là où on va sauvegarder, c'est là. Parce que vous allez comprendre pourquoi. On va tenter les autorésolutions et en fonction si ça gagne ou ça perd, on les fera manuellement. Ça gagne. Nickel. Pas besoin d'y aller. Et si on la fera. On la fera juste pour le lol. Ça gagne pas automatiquement. Donc on la fera manuellement, on n'a pas le choix. Bon, on sait déjà quelle bataille ne peut pas être faite en automatique. Cible assiégée, monsieur. Force et honneur. Est en automatique. Il se cache sous les jupons. On est bon. Voilà, celle-ci. Opération en automatique, je ne suis pas certaine. Glorieuse victoire. Nous gagnerons. Rag-ci. La surprise générale en automatique a bien marché. Donc tant mieux. Voilà, donc France sauvegardée. Voilà, deux territoires de plus. Raser l'université, il n'y aura plus de problème dans ce pays-là. Ensuite, ici. D'ailleurs, j'ai pas fait de vêtements. La capitale, est-ce que j'en vais apprendre? Nouvelle capitale. On va refaire l'autre bâtiment pour avoir un peu plus d'ordre public. Au pire, là, prochain tour. On fait. À vous ordre. Ah, vraie question. Celle-ci est assez bien automatique. Hourra ! Hourra ! Préparez-vous ! Marchez ! C'était un test. C'est vraiment du n'importe quoi, les dragons. Tenez-vous prêts !
Donc. Écrasez-les ! Glorieuse victoire ! Détruisez-les ! Force et honneur ! Impossible, monsieur. Opération de siège en préparation. Retirez-vous. Milord ? Oh merde ! Oh non ! Oh non ! Ah, bah crash. Ah, crashé. Bon, bah, il y a une bataille qu'il faut qu'on se fasse nous-mêmes. Petite bataille qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. Ah, nouveau crash. Ah ah. Aurions-nous un petit problème ? Est-ce qu'une sauvegarde est corrompue ? Eh ben on va recharger au tour précédent et on va attaquer. Est-ce qu'on est sur une corruption de sève puissance 10? Ok, donc non. On peut... Bon bah ce qu'on va faire. On va frapper en premier. Ils sont faits. Est-ce que si je recharge autre sève maintenant que j'ai fait... Non. Ok, donc la sauvegarde de tour 135 est morte. Bon, tant pis. Ben, on va devoir faire 100, hein. Dommage, on venait de faire une bataille, on s'était bien amusé. On va... On va recommencer cette bataille. On va recommencer cette bataille. Oh, on va recommencer. Tant pis, hein, on va recommencer et on va retatatiner un petit peu la tronche des ennemis. Tatatiner nos méchants ennemis qui nous ont fait cracher. Faire la chose bien, on va péter l'angle et voilà. Ah. Allez, zou. Ça arrive les bugs. Par contre, ça me servira d'une leçon. La prochaine fois, je ne m'amuse pas à faire une sauvegarde dans un tour, j'en fais plusieurs. Pour éviter une corruption de données. Allez hop, voilà, on commence à canarder là. S'ils sont logiques, ils fuient. S'ils sont pas logiques, ils meurent.
Bon, il fuit quand même, ils sont logiques. Il fait une sortie, gros, avec son infanterie de ligne. C'est que je vais recevoir s'il fait une sortie comme il vient de faire. Est-ce qu'il tente de... Pas logique, ce que fait l'adversaire. Ah oh bah, t'as perdu une infanterie de ligne, génial. Allez, c'est ça va avancer parce que beaucoup trop loin du front. Alors. Ah, oui. Temps de former le carré. Ah bref, ça arrive. Ça se passe pas trop mal, l'artillerie. C'est bien amusé dans la game d'avant. Ça passe. Juste éviter de niquer ACF, ça serait bien. Allez, on va combattre un petit peu. Oh, puis on recommence les sièges, on y refait, mais ça marche. Je vais voir que je dois me refaire recharger là-bas, non? Il charge. Bon.
punaise, mon infanterie lune, elle vient de bouffer. Je viens de lui foutre de la mitraille dedans. Pas de la mitraille, de la chaux. On déroute assez facilement. Et voilà, tac. Pas trop mal là. Beaucoup d'unités clignotent, c'est qu'on est pas trop mal du tout. Tout 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 tout. On a vu un petit barrage de chaud. Vive. Ils ont deux générales, ça veut dire. Je comprends mieux le premier qui m'avait chargé tout à l'heure, c'est qu'ils doivent en avoir deux. Ah, c'est bon, je suis en train de les raser. Cette squad là est morte. Allez hop. Cette squad là est quasiment morte aussi. Voilà. Ça se passe tout aussi bien que l'autre, peut-être même mieux. Parce que c'est bon, faut pas tirer sur mes troupes. Hein. Non, c'était propre. Plus propre encore que la fois d'avant. Ouais, j'ai 2-3 escouades qui sont morts, mais. Voilà, l'artillerie. L'artillerie dans toute sa splendeur nous a montré sa dévastation. Je pouvais opérer. Ça aura ces deux trucs là de conversion. Monsieur, officier sur le pont, préparez-vous, marchez, commencez le siège. L'armée va là, voilà. Celle-ci va là. Assiégez-les, sonnez les retraites. Perdu, non.
Putain, j'ai pas fait de sauvegarde. J'ai pas fait de sauvegarde. Siège en préparation. Tenez-vous prêt. Je suis un teubé. Oui. Putain, fais chier. J'ai totalement oublié de faire un sauvegarde. Nous sommes puissants. 4-5 de sauvegarde. Homme en avant. Il se cache sous les jupons des femmes. Triomphé. Ah, fais chier. Donc cette armée là, ça fait raser, j'ai oublié de faire ça. J'ai eu le doute en plus, je me suis dit... Bon, tant pis. On écrase, voilà. Celle-ci va aller. Préparez-vous pour la bataille. Monsieur, vos ordres ? Pas trop grave, au pire des cas. Cette armée elle va se reconstituer, elle sera, une fois que ça sera reconstitué, on sera bon. Et on va attaquer là. Hein. Milord ? En avant ! Marchez ! Attends, il m'attaque ? Ah bah même mieux ! Ah mieux, ça m'arrange pas ce que je pourrais... En siège et mortier sont meilleurs en siège qu'en pleine, mais bon, c'est pas non plus la pire situation non plus. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire. Côté, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être l'avantage quand ils sortent, c'est que c'est... Au moins, ils viennent à vous. Et l'IA vient directement sur nous, donc c'est d'un point de vue attaque et... C'est beaucoup plus simple de faire beaucoup de pertes que d'assiéger. Bon, j'avoue que j'ai fait autant de mortiers, c'était juste pour E3 que ça. C'était un peu un accident. Voilà. C'est pas grave. Hop. Ah. Mon artillerie, c'est pas trop grave encore. Mmh. Là, qui me tombe dessus, c'est pas pareil. C'est du n'importe quoi, ça touche rien du tout. Mais c'est tellement drôle de voir autant d'explosions. S'amuser à me... Ah, hop. Deuxième rang, feu. Premier rang, feu. Troisième rang, feu. Deuxième rang, feu.
Troisième rang, feu. Du mortier, c'est que ça, la zone d'effet est peut-être un peu hard. On tente. Faut dire ce qui est. On compte quand même beaucoup sur Achat avec les mortiers. Quelques compagnies, mais c'est pas grave. On sait au moins ce qui va attendre ce qui arrive. C'est du n'importe quoi ce qui arrive à ces squads. Ouais, c'est juste il pleut. Ouais, il pleut des obus sur ennemi. Juste ça qui se passe. C'est une pluie d'obus constante. Et on prie. Il y a un obus qui tombe au milieu, on est content. Pas trop mal là. Descendre du nord. Chargé. On va amener ma cavalerie pour aller chasser les troupes qui vont peut-être survivre là. Il y a quand même beaucoup de mousquetaires.
d'élite, on va quand même essayer de les dégommer. Que c'est armé de garnison là, donc que je suis en train de chasser, donc ouais, c'est bon, elle se remettra pas. La tête de la cavalerie qui s'est échappée, mais on s'en fout. On aura gagné. Parfait. L'infanterie de l'air un peu pris tarif, mais on s'en fout. On a fait muse avec les mortiers. C'est un désastre pour armée Marat. Hein. Nous ne pouvons faire cela, bataille automatique qui se tourne contre moi, ça par contre c'est un désastre pour moi. Hein. C'est totalement franc. Hein. Mais la bataille est un désastre pour eux. Donc ils n'ont plus de troupes ici. Là je peux, à rigueur, j'ai quand même constitué deux compagnies. En plus, là, je vais refaire une compagnie des Indes orientales pour venir renforcer cette armée-là qui a quand même pris beaucoup de dégâts. Dans le Nouveau Monde, je suis pas trop mal en état. On va améliorer ça. Hop. Ce n'est pas trop mal. Daghestan, je l'ai pris. Non, pas Daghestan. Bégouchistan, on l'a pris. Mais bon, après prochain tour, l'armée là descend là. L'armée là est en quel état? Elle monte sur Rashashan. Celle-ci, elle prend la 12 temps. 1, 2, 3. Après, ici, j'ai peut-être pas. Ici, je suis en train de. Je vais quand même reformer l'armée au cas où si eux ils avancent sur moi, mais. Je pense pas que j'ai à m'inquiéter. Ici, il faut juste que je regarde une chose, c'est que cette armée peut aller jusqu'où. Je pense pas qu'elle puisse aller, qu'elle puisse m'aller jusqu'ici. Parce qu'en Égypte, je veux dire. Donc ça devrait être bon. Ici, j'avais déjà rééquipé les flottes. Ouais, c'est bon. Ici, il y a quoi? Il y en a encore deux à voir. Bah, rigueur, ce qu'on va faire. Alors rien, elles ne bougeront pas assez. On reconstitue les navires. Là. Ouais, on va recruter. Donc, si tout se passe bien, ils me débarquent ces deux armées là. Ils m'attaquent Port Jamaïque. Port Royal et Port Jamaïque. Putain, c'est que je crée. C'est gagné. Elles sont qu'ici tout tourne bien, économiquement parlant. C'est pauvre ici, c'est riche. Il y a des trucs pauvres que je vois devenir riches, il y a des trucs pauvres qui restent pauvres. Là, effectivement, je pense que faveur patriotique, ouais. J'ai fait de très belles batailles, donc tu m'étonnes qu'ils doivent apprécier. Oui, je vais le supprimer si j'étais légère. Technologie, j'en suis où? Là, Empire Marat, t'en es où? Riche, terrifiant, tu n'es plus terrifiant du tout, t'es à l'agonie, mon ami, tu es à l'agonie. Tu vas peut-être t'amuser, peut-être te débattre encore un peu, mais... Il faut trop de tours pour en Afghanistan. Si je prends celle-ci... Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à prendre ça... Quitte après à repousser derrière en fonction de comment ça se passe au Nouveau Monde. Voilà. Bon, dommage que Otsev soit corrompu, ça nous aurait économisé du temps, mais bon, c'est le jeu. Hein.
Au moins, ouais, les armées marathes au... en Inde sont quand même bien affaiblies, donc on est quand même pas trop mal. C'est les armées qui se sont fait bousiller aussi, donc... Repli dans un port. Vous pouvez, hein, on va dire, ça me changera pas grand chose à mon économie, hein. Ouais, il me fait du pillage, il me bloque des ports, il me bloque des routes, ouais, au secours. Je m'en fous. Ouais, leurs troupes, ils sont pas en mesure... Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national, car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel. J'ai oublié de bouger cette armée. Une rébellion organisée sera fomentée contre vous. Tant pis, un tour de plus. Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications. Où fixez-vous la limite? En fait, ils peuvent me faire des blocus, ça me changerait la situation en fait où ils sont... économiquement en PLS en fait. Ah, ensuite. Immédiatement en attente de vos ordres. Sans doute j'ai reconstruit une partie des armées. J'ai effectivement attaqué plutôt que prévu, mais bon. C'était ça ou c'est nous qui nous faisons attaquer. Donc à un moment le choix est vite fait. L'armée là, elle va essayer de rattraper celle-ci. Celle-ci, je l'ai construit pour rien. On va la raser. Ah, je veux dire, le théâtre indien. Ça se passe pas trop mal. Hindoustan, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout en Hindoustan. Vous avez vraiment rempli vos objectifs, défendez les conquêtes en temps imparti, la victoire vous appartiendra. Conquête victorieuse, France. Voilà. C'est quoi, j'avais fait une domination, je crois que j'avais mis. Ah non, j'avais fait une campagne longue. Voilà, j'ai... En bleu, c'est ce qu'il fallait conquérir, donc quoi. Voilà. Ah, ça on garde, ça on rase. Ça on rase. Quoique, c'est du coton. Commerce, mais vous du thé ou du coton? Mais vous du coton, ok. Je suis en pleine réflexion, avancer maintenant sur Benjab. Nous sommes puissants et invaincus. Faut pas se faire avoir de fou. Écartez-les. Personne ne nous vaincra. En avant, marchez. En avant. Point facile. La victoire est à nous. En avant. Très bien ce que je suis en train de faire ici. Plus 4%, c'est bien, ça convertit vite. Au monde. La victoire sera à nous. La vertu et la valeur invaincue. Voilà. Ah, maintenant il me débarque à deuxième armée, comme ça c'est fini là-haut. J'ai un port à développer. Ah, l'Islande. J'ai pas des trucs à développer en Islande? Non, ça va. Ça c'est prêt, ça c'est prêt. Monsieur,
Juste faire ça. Monsieur, marchez. Mettez les voiles. Mettez votre majesté. En avant, marchez. Autre chose. À vous ordres. En avant, marchez. Oui, capitaine. Ordre du navire. Oui, milord. Voir bientôt attaquer et finir. Et tout va se convertir tranquillement à son rythme. Opération de siège en préparation. Comment pas ici, mais... Lassitude moins 15, putain. Lassitude de guerre moins 15. Énorme. C'est... Moins 15, c'est... énorme. Oups. 3 tours pour aller là-haut, ok. Ah, là ça a quand même un peu plus de gueule quand même, cet empire. Tour prospère, eux. Tour spectaculaire et économie. J'aurais pas quand même piqué hors plus grosse région quand même. Ah, c'est Punjab encore en région ultra riche. Ça je peux avoir en deux tours, non? Le problème c'est que si je bouge, il y a ça qui vient dessus. Ah bah, je crois qu'on peut finir en guerre d'attrition hein, contre l'Empire Marathe. Hein. Finalement, en fonction de comment l'armée là, elle a pas bougé, la seule qui aurait pu, entre guillemets, m'inquiéter un petit peu en Europe ne bouge pas et reste à sa place. À partir de là, j'ai pas grand chose à m'inquiéter en fait. C'est triste à dire, mais c'est la vérité quoi. En Alger, comme ça effectivement ils ont plus aucun territoire en Europe. Ici il suffit que j'ai quand même encore cette flotte, cette armée là. Ils peuvent plus rien me faire, ils ont fini au moins au Nouveau Monde, ils ont terminé. Et puis voilà quoi. Ça va finir comme ça hein, cette guerre. Hein. Ça va juste finir comme ça. Bon, pas ça, nous on a une... pourrissent dans leur porcherie. D'après vous, il la gagne en automatique ou il la perd? Cible assiégée, monsieur. Opération de siège en préparation. Je crois que la sainte sauvegarde n'est pas corrompue. Cible assiégée, monsieur. Voilà, donc on sait ce qu'on va faire, hein. On va faire cette dernière bataille. Hein. La dernière bataille. C'est que cette armée a quand même pris des pertes, donc faut quand même que je les économise.
fameuse forteresse qui merde un peu. Ça. Ils vont canarder en priorité la muraille. On va quand même y rebouger. On va y rebouger pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont légèrement dans un creux. Monte à cheval en fait. Nickel. Ma cavalerie a fait son boulot. Les tirs opportunités d'ennemis, c'est pas grave, c'est un mag nécessaire pour mon projet d'invasion. Non mais sincèrement, l'artillerie, faut vraiment que vous arrêtez de me faire n'importe quoi là. Mais qu'est-ce que vous me foutez les gars? J'ai pas voulu tirer par précaution parce qu'ils auraient été capables de me canarder dans mes rangs. Eux ils vont se faire un peu canarder, ouais, je perds pas beaucoup d'hommes. Ah, la salva est une catastrophe la dernière. Pas d'angle de tir. Oui. Ah
C'est une infanterie légère, ça je savais déjà. Et voilà, la mitraille, on va... Enfin, la mitraille. Exactement ce que je veux vous montrer, c'est effectivement la puissance dans cette situation. Faire totalement démolir, ça fera déjà deux régiments ennemis en moins, enfin trois parce qu'il y a un régiment d'artillerie. Donc sur une ville qui est sur 17 régiments, j'en ai déjà enlevé 3. Bon, celles-ci sont quand même bien amoindries aussi, donc on peut considérer ça aussi comme une victoire également. Descendre tranquillement mais sûrement. Allez hop, voilà, quatrième régiment qui sort. Régiment, c'est sûr qu'il revient pas hein. Unité qui est sortie de leur camp. 7, 8, 9 ici, 10 là. Et sur la place, il y a encore pas mal de troupes. Mais déjà, si je liquide déjà tout ce qui vient sur moi par extérieur. Déjà que là au niveau des troupes je suis pas trop mal. Oui, ça a un peu fait défoncer.
problème, c'est qu'il y a deux canons là. On va pénétrer dans la forteresse. Ils étaient 121 à la base, eux. Comment ça se fait qu'ils sont plus que ce nombre-là? Ils doivent se faire défoncer ici, à mon avis. Ah ouh, c'est une T qui est sortie, qui est revenue dans la base. Ça, c'est possible. Salut Crest, tu vas bien? Eh oui, je suis en même temps dans deux endroits. Merde. Oh. Yes. Vite, vu que ma division remonte sur le mur, ça serait bien. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Je vais amener cette division là. Ouf. Dommage qu'il a pété un peu loin, mais ça aurait pu faire un très très beau tir ça. Oui, monter finalement, il monte pas, est-ce qu'il monte? C'est bon. Ah, ils ont fait un trou là-bas et ils retrouvent moi là-bas. Génial.
c'est bien. Ça, c'est bien pour moi. Ah, il est bugué, sûr. Il y a une unité qui est buggée dans la muraille. Je change l'emplacement de notre deuxième écran parce que c'est un peu loin pour voir au chat. Faut que j'améliore quelque chose. Faut que j'améliore mon setup parce que le chat il est un peu loin à lire quand je joue. Je trouverai une solution. Il faut que j'arrive à me mettre un petit peut-être bip. J'ai un petit bruit effectivement. Quand je vous envoyais un message. C'est un petit problème ça. Je sors, c'est la pire des conneries ça. C'est presque bon. On n'est pas trop mal sur cette mur là avec les troupes qu'on a. Comment ça se fait qu'il y a des troupes qui sont encore à l'extérieur? C'est bon, eux c'est bon. Putain. Fait encore n'importe quoi. C'est quoi ce régiment qui va vraiment m'énerver? Vous allez me charger ces éléphants à force, car vous êtes vraiment en train de m'agacer. On va y arriver. On va y arriver, de toute façon, pas besoin d'être pressé. Voilà, comme ça on va commencer à les liquider, ces éléphants qui nous embêtent. Ici, oui, ce régiment qui perd, vu le nombre qu'ils étaient, ça me paraît pas improbable. Ah, surprenant plutôt de la perdre. Ici, on a juste besoin de jouer avec le timing.
Voilà. On va les avoir, ces éléphants. Depuis le temps. Notre escouade qui est bloquée là-haut. Eux qui sont en train de les canarder, de les massacrer. Bataillon arrive là. Oups. Et que il y a encore des morts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la cavalerie sur le flanc droit. Comme ça, je pourrais charger la les canons. Et voilà, plus que 7 hommes et on a gagné. Il y a encore pas mal de troupes là-bas par contre. Encore des troupes en réserve. Oh oui, j'ai encore de la réserve. On va mobiliser 3 divisions de plus. Soyons dingues. Soyons folles. Folie du samedi soir. Il va nous atteindre. Ouais, mais c'est rien que ça, juste besoin de temps, vous voyez, en 20 minutes c'est chaud, alors prendre une forteresse en 20 minutes c'est ultra tendu. Hein. En 40 ça se passe bien, c'est pas trop... Alors en 60 c'est ultra simple, en 40 c'est obligé de faire des petits choix entre bien se dépêcher et pas trop se dépêcher pour effectivement quand même éviter que ça soit trop lent la prise de la forteresse. Il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'éléphants. Ces deux bataillons là sont morts. Bataillon de plus, la cavalerie est en train de faire un nettoyage. Et voilà, victoire facile, victoire aisée, victoire dans tous les cas. Ouais. Bah, cette bataille était une... A juste été un truc facile, l'IA a fait que de la daube. A fait que de la daube, l'IA. Un petit bug là avec l'unité qui était coincée dans le mur, qui a été retournée dans une charge. Je vais faire continuer, heureusement j'ai pas fait la boulette. Un investissement où récemment qui coûtait un bras et demi. Genre ici. Ah, annulé. Voilà. Et ben voilà. Les questions, ils sont en quel état eux? Toujours terrifiant et spectaculaire. Alors je ne comprends pas comment est tracé au niveau des stats les unités. Mais bon. Je reviens juste. J'arrive dans même pas une minute.
Mésopotamie. Non, mais c'est du foutage de gueule pour une tech, jamais de la vie. Allez, bah voilà. Finito, le problème de... Le problème qu'on a là-bas. Ils peuvent les piller. Ça va peut-être réduire un peu mon économie à l'instant T, mais c'est pas ce qui va mettre fin au problème. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Ah, de toute façon, la guerre est finie. Hein. Il n'y a plus grand chose à attendre. Hein. Plus grand chose à attendre maintenant de la situation, à part que l'ennemi est mort. Pourquoi il m'a intercepté, l'autre? L'autre en douille. Votre Majesté? Pas possible, oui, monsieur. À gauche. Vraiment une andouille, l'autre. Cette armée-là, elle peut être rasée, j'en ai plus besoin. Voilà. On est bon, celle-ci. Une armée là-haut, mais à mon avis, on n'aurait même pas besoin. Ouais, on arrive vraiment. L'Empire Marat arrive vraiment au bout du bout. Non. Votre Majesté. Ah, je perds 3 tours avec cette connerie là. De croire que l'IA peut finir cette guerre. Putain. Pire connerie du monde d'or, Crusa. Merde. Tant pis. En tout cas, ici, tout est prêt. En tout cas, tout est prêt. Moi, pour merde, ça m'énerve. Prêt. Immédiatement. Troupes. D'autres ordres. En avant. Halt. En route. Bien arrivé. Allez, oh là. Mettez les voiles. Mettez-y tout votre cœur. En avant, sera à nous. Pour la couronne. Personne et le pays nous vaincra. Ah. Le problème, c'est que ça fait beaucoup d'armées. À un moment, il faut aussi que je tape un peu dans réduction budgétaire. Parce que l'armée qui coûte un bras et demi, je veux bien, mais...
Quand même que je réduise un peu le budget. Alors, j'ai une flotte qui est en déplacement ici. Je vais en envoyer une deuxième que je viens de construire. Donc ici, je serai au complet. Ici, je suis au complet. Ici, je suis déjà au complet sur ce théâtre-là. Et ici, il va me manquer donc une flotte. Donc il faut que je fasse... En comptant ces deux-là. Donc j'ai trois flottes en tout, il m'en faut quatre. Et celle-ci, il faut que je la termine. Celle-ci, je vais en... Ici, je peux en envoyer deux, donc ça me fait les quatre points là. On voit le dernier là-bas, ouais. Sept, huit, neuf, dix, sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Bien que normalement ici ça va être débloqué par cette par la faute là. En tous les cas on va être bon. Technologie, j'en suis où? Ici j'en ai rien à faire. Ici je suis bien. Mes technologies avancent bien. Une petite curiosité. Si je fais ça là, il me reste quoi? 10 tours. Ok, très bien. Vous restez à 7 tours. Nickel. C'est pas grave, ici on rush là. On va 6 hommes dedans. Après, il faut aussi que je réfléchisse à une chose, c'est que cette armée là pourrait piller chez moi, donc il faut que je reconstruise des troupes ici. Pour empêcher qu'il pille de mon côté. Deux tours pour aller là-bas, toi il te faut combien de tours? Trois. Et bah ça va être... Toi tu vas bouger. Toi tu vas bouger là-bas. Un tour, deux tours, t'arrives là-bas. Et toi, tu fais tac-tac. L'Empire Mara, t'arrives au bout. Hein. Vraiment, si je serais gourmande, j'attaquerais maintenant déjà mon allié, mes alliés. Le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'arrive à... Pour que je brise juste... Économiser un peu, on n'est pas... Le temps nous presse pas au niveau investissement. On a tellement investi économiquement plus tôt, on est ultra bien là. De ma gueule au niveau des propositions. Il se fout de ma gueule. Il me donne ces deux territoires là. Ah non mais à un moment. Alors, ça pour avoir un seul intérêt. Le seul intérêt, c'est de me dire que ça fait que j'ai un territoire plus facile à capturer ou d'avoir deux territoires. Par contre, ça voudrait demander qu'on sorte plein d'armées là. Le problème, c'est que ça prend un temps monstre à les construire dans une petite ville. Non. Mais hors temps de faire ce que j'ai fait. J'ai fait gaffe à Ponytuani à des navires qui viennent de sortir de Saint-Pétersbourg. On va peut-être dépasser le tour où j'aurais pu tranquillement.
Oh, une saloperie. Vas-y, enfuis-toi. Pars en Europe si tu veux. Pille les côtes. J'en ai plus rien à faire. Je suis au stade où je n'ai plus rien à faire. Pillez si vous voulez. Alors, par contre, le pillage de celui-là, il fait un peu chier quand même. Parce que je crois qu'il y a 70 000 qui transitent par ce port-là. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Tenez-vous prêts ! Nous triompherons ! Vos ordres, votre majesté ? Oui, monsieur. Bah, hein. Pas mal ce raid. Hein. Pour la couronne et le pays. Préparez-vous pour la bataille. Ouais, sérieusement. Sérieusement, il a fait la paix avec la Ponituanie. Oui, monsieur. Formez une ligne de bataille. Il a fait la paix avec la Ponituanie en échange de quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné en échange? Monsieur, vos ordres? Votre Majesté, utilisez-les. Repliez-vous. Monsieur. Là, j'ai beaucoup de trucs en automatique qui se passent pas à mon avantage quand même dans cette histoire. Tenez-vous prêt. Et rigueur, ce qu'on va préparer là, parce que bon, on arrive quand même à la fin de cette guerre. Hein. On va récupérer le Lahore. On va faire un traité de paix humiliant. Quoique je peux me récupérer deux. Ah bah attendez, on va même pas se faire chier, on va récupérer les deux. Village assiégé. Elle pique, hein, la map, hein. Elle pique au niveau de la luminosité. Allez hop. Non, c'est une grande. Ah, quoique. Ouais, c'est une grande. Ils ont beaucoup de courgeois machin là, je crois que j'ai vu. Bingo. Ah, par contre, la luminosité elle pique. Hein. Chevaux, si j'en ai perdu un. Et un canon avec deux.
Deux canons qui sont pas dépassables. Un est détruit parce que l'autre ne peut plus se dépasser. On va bouger ça. Tant pis, on perd deux canons dans l'opération, mais... Enfin, un canon. Il y en a un qui était déjà mort. Le même principe qu'habituellement. Donc, il a pas chargé la bonne unité qui va charger la base. Je crois qu'il voulait charger celle-ci, mais mon régiment là a pris une partie de la charge. C'est pas mal parce que moi, ce régiment est mort. Désolé de la luminosité, ça vient du jeu. Je teste quand même ce mode Empire 2 quand même. Petit tune parlé tout à l'heure, qui a amélioré graphiquement le jeu, le gameplay, etc. Ça peut être intéressant. Il y a quelques armées qui viennent de se faire raser. Allez hop. Oh le carnage. Allez hop, ça c'est coucou je pogne. Et ces obus-là en plus c'est encore plus fumé parce que ça traverse les murs. Y'a pas du tout de problème de collision dans ce jeu. Ah, c'est bien, l'IA vient de se tirer sur sa muraille, il vient de se tuer 44 hommes. C'est le meilleur move de l'année. Tire sur ta muraille. Après par contre en partie défensive... Voilà. Donc, bougez-vous de là, vous.
Infanterie de la Compagnie française des Indes orientales. En fait, c'est surtout, il faut savoir qu'au niveau des Indes, c'était pas beaucoup de... C'était pas officiellement armé, c'était des compagnies commerciales, donc privées, mais avec intérêt de l'État. Donc c'est un peu particulier. Donc effectivement, c'était pas vraiment... Enfin, c'était des représentants de l'État sans être l'État en... l'armée de l'État. C'est pour ça que c'est un peu particulier. En tout cas, dans l'épisode d'aujourd'hui, on finira l'Inde. Même mieux, j'ai repoussé mon infanterie. Comme ça, au moins ici, je suis tranquille. Le but, c'est de se rapprocher d'ici. Je vais commencer à canarder la place. Ils commencent à tout sortir leurs troupes, là. Et ce bataillon... Finito, finito, finito. Bon, par contre, ce qui est chiant avec... C'est là que j'aimerais bien avoir des obusiers à cheval. Juste pour qu'ils se déplacent un peu plus vite. Là, manquerait plus que... Le reste est en miettes. Le problème... Non, je vous ai dit. Vous allez me tirer... Je vais me tirer à la fin. Je viens de voir des unités. Me tirer sur la place de centre-ville, ça fera beaucoup d'ennemis au moins. Et voilà, les obusiers. Alors, sur Napoléon, ils sont beaucoup moins puissants. Alors, ils sont à la fois moins puissants et plus puissants. La précision a totalement changé sur Napoléon. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois plus puissant et moins puissant. Parce qu'il n'y a pas ce type d'obus là, en fait. C'est tout à mèche ou autre, donc ça. Tester à explosif. Le
pour le moment, les premières salves, je suis pas forcément non satisfait. Je suis plutôt contente. Les premières salves. J'ai tiré, deux trous de leur muraille, c'est très beau. Moins précis. Ouais, ça tape bien aussi. Surtout contre les éléphants. Il me reste juste qu'il y en a un qui tombe plein dans les rangs pour voir plein de personnes voler. En fait, voilà. Bah voilà. On a vu. On a un seul obus qui est tombé dedans. Ça a cramé les squads. Ça a cramé les unités. Il y en a un ou deux qui sont bien tombés, qui ont rasé, quoi. Voilà. Voilà, comme... Ils étaient 100 et quelques, qui sont plus beaucoup. Non mais voilà, c'est une excellente unité. Ouais, voilà. En tout cas, je pense avoir prouvé que en Kanglet Games, les obusiers sont meilleurs que tout le reste, que tous les autres artiers. Meilleurs. Les canons restent quand même très pratiques pour les dégâts. Contre les fortifications hautes et du fait de leur portée de tir. Par contre, vu que c'est un jeu où c'est énormément d'infanterie qui se combattent globalement, en fait on se rend vite compte que les obusiers c'est ce qu'il y a de mieux. Contre la cavalerie, le canon est aussi pas trop mal, mais l'obusier ignore les lignes de tir, les lignes de couvert, etc. Donc c'est un peu trop fort. Le but c'est quand même d'essayer de... Il y a eu des beaux tirs là-dedans. Il y a des beaux tirs là-dedans. Très très beaux tirs, ouais voilà. Ça ralentit, ça se passe surprenant. Beaucoup de troncs de murailles de pété. Voilà. Pas trop mal.
Bien, c'est qu'au moins j'ai pas trop besoin d'attaquer, mais les ennemis viennent à moi. Enfin, ils viennent pas à moi justement. Donc, comme ça, j'ai juste besoin de les affaiblir et je vais gagner. Voilà. Mais... putain. Ouais, il y a des trucs que je comprends pas. Voilà, eux ils vont se faire massacrer. Comme ça, ils ont bientôt plus de troupes. Moi je suis bientôt plus embêté. Ah, c'est beau. J'ai jamais fait gaffe quand tu tuais quelqu'un, il tombait. Enfin, ce régiment a peut-être subi beaucoup de dégâts. Mais l'ennemi en a subi encore plus que moi. En fait, pourquoi vous sortez de la muraille? À aucun moment je vous ai proposé de sortir. Voilà. On a bien nettoyé ce mur. On a fait sortir deux de leurs escouades en extérieur. Maintenant, vous me tirez là. Ça peut déraper un petit peu sur les guerriers ski. Voilà. Au moins... ça fait rien du tout parce qu'ils ont tout mal tiré, mais l'idée était là. L'idée était prometteuse.
ces deux-là. Et je vais faire canarder ici. Normalement ça c'est bon, eux ils avancent. On est bien ici. Arrêtez l'artillerie parce que là ça va commencer à faire ETK. Ça commence à faire des routes donc c'est fini. Victoire. Des routes généralisées. Donc un 12 temps c'est récupéré. Que je peux récupérer ça. Tenez-vous prêt. Impossible, monsieur. M'en fous, c'est-à-dire que j'ai gagné. Comme ça, je vais arrêter les raids à mon encontre. C'est que des petits raids, mais bon, c'est quand même ça a quand même sa contrainte ces raids. Donc si on peut se les enlever, on va pas dire non. Il y a quoi comme raid? Le raid de Sporia qui s'est fait raider. Il y a celui-là qui s'est fait raider. Il y a celui-là qui s'est fait raider. Maintenant, on va enlever toute cette armée que j'ai construite juste pour défendre la ligne. Ça me permet de les liquider plus vite. Et maintenant qu'ils n'ont plus aucun port, ils sont économiquement extrêmement affaiblis. Parce qu'ils n'ont plus de commerce, ils ont une région qui est extrêmement pauvre, donc s'ils gardent leur marine et qu'ils ne les rasent pas, en partie, ben, ils vont être endettés comme pas possible et ils vont perdre en rébellion dans une de leurs villes encore. Moi, à mon niveau, ici, serveur patriotique. Préparez-vous ! Oui, monsieur ! Alors, même moi, elle va bouger.
Oh, on s'en fout, punaise. Allez, je vais avoir rayure faite dans la machine, ça va être bien. On va raser. Votre Majesté. Un brief, je prends ça, je débarque dans Angkor là-bas et normalement je peux prendre Alger en un tour. Et bon, pourquoi ici c'est en... Le port là-bas est entaché. Endommagé, je veux dire. Ici, je crois que j'ai réparé les ports dans la mer Adriatique. Ici, on est bon. Ouais, sans commerce, c'est une catastrophe. Tac. Ça, on est tout bon. Il y a juste ici, je crois qu'ils m'ont déployé une putain de flotte, ces enflures. Tac. Comme ça, je fais une guerre, j'intercepte le... Ah putain non, s'il s'enfuit, c'est un problème ça. Bon. Voilà ça, production en masse. Il reste quoi? Il reste une région. Elle est riche cette région, Daghestan? Non, je crois que c'est une région toute pauvre en plus. Ça, je vais enlever parce que j'ai plus besoin d'avoir autant d'armées. Celle-ci, je vais regarder, je vais la garder temporairement. Elle servira de tampon. Conversion. Voilà. Donc, je pense que Kaboul n'est pas une ville très très riche. Nous, de notre côté, et là, on va se préparer à une guerre décisive. Parce que c'est celle-là, c'est sûrement la dernière guerre. Ah non, ça rien que je donne shrapnel. Oh. Hey. Est-ce qu'ils ont vidé? Non, ils ont pas vidé le port. Merde. De toute façon, ils ont plus, leur économie est en morceaux de l'Empire Marat, donc à partir de là, je m'inquiète pas grand chose. Malgré toutes mes levées d'armées ou autres, je pense qu'économiquement, je tiens bien. Bah, de toute façon, j'ai plus de 100 000 d'armées et je suis en positif de quasiment 100 000. Ça, c'est un truc de sucre, tiens, que j'ai amélioré au Nouveau Monde, en Inde. En Afghanistan, faut que je prépare l'attaque d'Afghanistan et que je termine. Un raid fini, on n'en parle plus. Allez, au revoir, bisous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec leur flotte? Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national. Car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel. Faute de vous exécuter, une rébellion organisée sera fomentée contre vous. Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications. Où fixez-vous la limite? De toute façon, c'est open job. De toute façon, je laisse en star Mega, et c'est bon, le problème est résolu. Il y a
éviter Stormer, de toute façon elle sert plus à rien. À un moment faut être honnête, hein, y a des armées qui servent plus à grand chose. Vos ordres, votre majesté. Venez, venez tous. Bon, vu tout ce que j'ai investi en armée ou autre, faut être honnête. Il y a peut-être un peu trop d'armées aussi. Hein. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va annuler l'accès militaire. On va voir ce qu'il fait avec ses armées. Levez l'angle. À vos ordres, monsieur. Ordre du navire, bien reçu. En route. On n'est pas trop mal du tout économique. Économiquement parlant, on est bien. Monsieur. Oh. Ah, l'Indoustan augmenta parce qu'il y a. Il y a lui, ok. Mal. Me faire un tour ou deux à 120 000 en ressources et ça va me remettre bien. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais envoyer cet agent à Kaboul. Comme ça, il me donnera à peu près dans quel ordre leur économie à peu près, leur état économique. Bien que pour moi, à mon avis, l'Empire Marat c'est bon, on a déjà une info. Ça m'apporte 3000, donc je me fais chier avec eux pour pas grand chose. J'ai peut-être fait un peu trop de navires sur le coup. Parce que là, normalement, je devrais. Voilà, cette flotte-là est arrivée. Voilà, donc ici, je suis bon. Ici, j'ai encore deux. J'ai deux flottes pour ici. Et encore une fois, je ferai en transit. Il n'y a pas une flotte en transit quelque part. Il y a encore une flotte de commerce en transit au Mozambique. Donc oui, j'ai assez de flotte de commerce, c'est bon, c'est fini. Cette partie, on est bon. Et on va faire un tour comme ça. Le but de ce petit tour-là... Oh, 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 oh. Attendez, je crois. Je vois où ils regroupent leurs forces et en fonction d'où ils regroupent, ils vont peut-être bien me donner la possibilité de les. Cette armée là, qui regroupe juste toute leur armée là. Non, j'ai pas même de te le donner. Non. Non, je refuse. Ils vont prendre tarif. Et le plan, il va se passer 10 fois mieux que prévu. Ils vont se faire... démolir. Putain. Alors là, on va frapper vite et fort.
Et ça va faire un carnage. Ça va être la Bérésina pour la Pologne Lituanie. D'un point de vue logique, il n'y a aucun intérêt de déclarer la guerre. D'un point de vue pratique, je sais qu'ils me déclareront la guerre dans un certain nombre de tours. Comme ça, même si je me trouve en guerre contre les deux puissances occidentales, si je garde le traité de commerce avec l'Empire Marat, c'est-à-dire que tout mon commerce passera par eux, même s'ils ont une toute petite ville. Et c'est là où c'est abusé. Un peu de Lituanie, en fait, si vous arrivez à protéger Kursen, je crois, ils ont un protectorat. En fait, vous pouvez en late game faire plein de commerce avec eux. Il y a un degré d'agitation dans cette région car la majorité de la population suit les préceptes d'une religion différente de celle de ses dirigeants. Envoyez des missionnaires pour convertir les masses à la vraie religion. Oui, monsieur. De toute façon, là, on va pas. Il y a même pas à réfléchir en fait. On a une opportunité. On a une fenêtre là, pour déclarer une guerre. Et possiblement la gagner. Enfin, pas possiblement, on va la gagner. On gagne toutes nos guerres, donc on va la gagner, sexy. Et banqueroute, voilà. Ça, c'était prévisible, je m'y attendais. Donc c'est exactement ce que je voulais. Vraiment en train de convertir en masse. Tout l'Inde est en pleine conversion. Et on va juste gagner. Hein. On va faire deux canons de plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Garder parce que là ça va être le oui, voile sortie. Flotte prête solidement arrimée, capitaine. Oui, votre majesté. Le vélan du navire. Oui, oui, monsieur. Faut que je recharge. Oh non, me dites pas qu'elle est corrompue encore à sauvegarde. Oh non. Oh non. Taskula, pitié. Pas encore. Elle est corrompue. Ah, fait chier. J'ai l'impression qu'elle est corrompue quand je sauvegarde, quand j'ai un bateau. Ah, fais chier. Ah non. Ah non. C'était un truc. On va juste voir si c'est le jeu qui plante ou si je peux charger comme une sauvegarde. Ok, celle-ci elle marche. Ok. Ouh, partie un peu particulière avec. Il se peut qu'il y ait eu quelques guerres et. Ça a un peu tourné à mon avantage contre. Voilà, j'ai quasiment rien, mais il se peut que j'ai tout capturé des colonies.
Je crois même que la save est corrompue. Ah, je suis dégoûté. Bon, on va arrêter le stream. Je vais essayer de corriger ça pour la prochaine fois. Encore merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce stream. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.